les gars, c'est Jazz, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo sur FIFA 15, un petit squad builder. Un petit squad builder très très sympa. Une BPL avec 2 joueurs 5 étoiles et 3-4 joueurs 4 étoiles. Donc, ouais, on peut dire une équipe skill. Donc, on va commencer tout de suite avec le goal d'Erea. Donc, très très bon goal. 87 de plongeon. 88 de réflexe, 86 de dégagement, et voilà, le reste c'est potable, donc vraiment très très bon goal. 10 000 crédits, donc ça va, enfin, vu que le jeu il est sorti il y a une semaine, ouais, deux semaines maintenant, je sais plus. Les prix varient beaucoup, mais bon, vous pouvez l'avoir un peu moins cher. Sinon, très très bon goal. En défenseur central, on met Red, je sais pas si ça se dit comme ça. Mais très très bon, 13 000 crédits, je crois qu'il coûte 10 000 maintenant. Très très bon pour une carte noire, franchement. Je pensais pas qu'il allait être si bon parce qu'il coûtait pas très cher. Avec un rendement moyen élevé, donc franchement excellent. 80 de défense et 80 de physique avec 1m90, donc à la tête il est excellent aussi. Donc voilà. À côté de lui, on met Mangala qui est aussi très très bon. 13 000 crédits. Très très bon aussi, avec un rendement LV qui monte beaucoup de vent. 85 de physique et 79 de défense. Excellent, il est juste énorme. En défenseur droit, on met Walker. Walker qui coûte 15 000 crédits. Ils sont assez chers les joueurs, je crois que ça. C'est une équipe qui vaut entre 80 et 100 000 crédits. Si je vous dis pas de bêtises, excusez-moi. Avec 80 de physique, 91 de vitesse, 76 de défense, un très très bon défenseur. En défenseur gauche, Kolarov. Bon, Kolarov, je l'ai pas pris pour sa vitesse, parce que en fait, 68 de vitesse pour un ailier, c'est pas très bon. Mais vu que j'avais pas de tireur de coup franc, je l'ai pris parce qu'il a 90 de puissance en coup franc, je crois. Très très bon tireur de coup franc, avec il a beaucoup de physique, enfin beaucoup. Il a un assez bon physique, une assez bonne défense, donc voilà. 1m87, c'est vraiment un très bon défenseur. Pour 1200 crédits, c'est vraiment bien. En milieu défensif, vous avez deux choix. Ou Ramirez ou Fer. Fer, je vous dis les gars, c'est un mini Yaya Touré, il est très très bon. Bon, après vous avez la gamme au-dessus, Ramirez. Une excellente vitesse, excellente conduite de balle. Voilà. Ramirez qui coûte 40 000 crédits, je l'ai payé très très cher. Mais si vous n'avez pas de crédit, je vous conseille vraiment faire, il est vraiment excellent. Donc enfin, vous allez voir ses stats. Bon, là vous avez vu un peu tous les joueurs. Vous avez vu ses stats avec un rendement LV pour MDC, c'est très bien. Avec 86 de physique, 74 de défense, une assez bonne vitesse, 4000 crédits, je crois qu'il coûte un peu moins cher. Franchement très très bon. En face, on met Abdeltarab. 5 étoiles geste technique, 4 étoiles du mauvais pied, 80 de vitesse, 73 de tir, avec un rendement moyen faible, donc bon, il fait pas des gros appels, mais bon, c'est pas mal pour ce qu'il est nickel. 2000 crédits, les gars, il est franchement pas cher du tout. Donc voilà. Milieu droit, les gars, on met McDiddy qui a 5 étoiles de geste technique et 4 étoiles de mauvais pied. C'est les deux seuls joueurs de 5 étoiles de cette équipe qui est excellent. Vraiment énorme ce joueur, les gars, il dribble avec 85 de dribble, ses dribbles sont rapides, ils sont vraiment parfaits. 89 de vitesse, 70 de tir, rendement élevé moyen, franchement un très très bon joueur qui coûte 1500 crédits maintenant je crois, donc voilà, très 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 bon joueur. En milieu gauche, on met Samir Nasri. Bon, il est potable, très très bon, 7500 crédits, il suffit amplement. Avec un 78 de vitesse, 86 de dribble et bon, 84 de passe, assez bien. En geste technique, il a 4 étoiles en mauvais pied aussi, donc plutôt pas mal, 7000 crédits. Et un rendement de joueur élevé moyen, donc c'est plutôt bien. Accompagné à lui, on met un gros joueur, enfin un gros joueur qui coûte cher, assez cher. Loïc Rémy, qui coûte 25 000 crédits. Très très bon joueur avec une très bonne vitesse, 90 de vitesse, 80 de tir, 71 de physique. Très très bon joueur, donc voilà, 1m84, rapide dans ses dribbles, tout ça, donc il suffit amplement, il est vraiment très très bon. Après les gars, si vous n'avez pas l'argent pour mettre 25 000 crédits, mettez Jovetic, il est vraiment très bon. Et accompagné à lui, on met Eto'o,
Eto'o qui coûte pas cher non plus, qui coûte 3000 crédits. 76 de vitesse, malgré sa vitesse qui a été descendue, il est très très rapide, avec une bonne conduite de balle, c'est pour ça qu'il est 80 de tir, tout ça, il est vraiment excellent. 4 étoiles de geste technique, 3 étoiles de mauvais pied. 3000 crédits, franchement c'est pas cher, les gars, je vous le conseille, il est vraiment excellent. Donc vous voyez l'équipe, c'est une belle équipe quand même. Bon après, si vous pouvez, vous avez pas envie de mettre une carte noire et tout, c'est vous qui voyez. Là c'est un peu cher quand même pour un début de FIFA. Je comprends complètement que tout le monde n'a pas 100 000 crédits. Moi j'ai fait ça en achat-revente. Après vous voyez, je vous dis les gars, vous mettez une semaine en achat-revente, c'est bon, vous avez les 100 000 crédits. Donc voilà, sur ce les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine, ciao.